Alors maintenant, je vous annonce Jean-Martin Haussan, qui va nous faire quelques morceaux au piano. Et vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas besoin de grands discours pour passer un message. Alors à vous, Jean-Martin. Merci beaucoup. Oui, en fait, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu ici, mais j'avais fait une petite vidéo qui avait été vue par bien des personnes sur la différence entre l'individualisme et le collectif, mais illustré en musique. Donc, l'individualisme en musique, et quand on parle des collectifs aussi, ici c'est un endroit assez, assez pertinent pour ça, parce que ça fait partie de Mainbourg et compagnie, et c'est un sinon le plus grand centre d'économie sociale au Québec. C'est peut-être pas connu de tous, mais c'est un endroit assez exemplaire dans le domaine, et à peu près tout le monde dans le milieu de l'économie sociale connaît ces endroits ici, dans Pointe-aux-Trembles. Donc l'individualisme en musique, ça pourrait être comme ça. Oups, il n'y a pas de son. Ça, c'est très invité. Alors, l'individualisme. Vous voyez, c'est une pièce de 12 minutes. Bref, ça devient vite lassant et deux individualistes ensemble. C'est guère plus intéressant et une foule d'individualistes, c'est pas plus intéressant, mais quand on collabore et qu'on reconnaît qu'il y a d'autres tonalités, d'autres façons de faire, ça peut donner quelque chose de plus intéressant. On c'était une pièce d'un pianiste québécois qui s'appelle Jean-Michel Blais. Il devient de plus en plus connu. Il fait le tour du monde avec son piano en ce moment. C'est un ancien éducateur spécialisé qui compose et qui a été vu sur le web, découvert sur le web, et maintenant il a une carrière internationale, puis vous allez en entendre parler pas mal. Je vais vous en faire une petite deuxième. Bon dessert. Thank you.
cette pièce-là, c'était un cadeau pour vous, c'était une composition de moi. Merci beaucoup, Jean-Martin. C'est vraiment un très beau cadeau que vous nous faites ce soir.